Hey, tu fais pas chaud dans la maison? Je vais aller monter à ton aise. Ah, il faudrait pas qu'elle prenne froid. Hein, comment ça va, matin? Oh, j'ai oublié. Sais-tu, Antoine, je pense que je vais faire le ménage de la laiterie, hein? Ça me tente. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Il y a pas mal de choses qui traînent. Je sais pas si c'est le printemps, mais j'ai assez faim, moi. Hein? Crains pas, je vais vous faire du jambon avec des œufs. Ah, faisons ça. On y va? Mm-hmm. Jacquemin. Bonjour, Anne. Oh, il faut pas vous lever. Oh, juste pour aller à la salle de bain. Vous savez, j'ai la permission. Après, je me recouche. Vous avez bien dormi? Oh, j'ai mis un peu de temps à m'endormir parce que je suis pas habituée à dormir sans mon âme à côté de moi. Hein? Mais tout à coup, oups, je suis partie puis je viens juste de me réveiller. Oh, on a fait trop de bruit. Oh, pantoute, c'est mon heure, 7h20, moins quart. Bon, heureusement, la salle de bain est pas trop loin. Attention, marchez tranquillement. Oh, craignez pas. D'habitude, vous déjeunez à quelle heure? Oh, je déjeune de bonne heure avec Marc. Mais le matin, je mange pas beaucoup. Attention, hein? Oui. Tiens, ta valise est prête. T'en penses-tu que j'aurai cette place pour mettre ces papiers-là? Ben oui, la condition qu'il n'y en ait pas plus. Tiens, c'était pour devenir un homme d'affaires, pour vrai. Je devrais peut-être t'offrir un attaché case. Y'a rien qui presse. Demain, tu rentres vers quelle heure à peu près? Oh, je pense bien que je vais pouvoir prendre la route vers la fin de la matinée. Vas-tu le matin, j'ai juste le boulanger à rencontrer pour faire les derniers arrangements. Après ça, je vais pouvoir me remettre en route. Mais tu sais, moi, hein, je suis pas pressé. Fait qu'attends-moi pas à une heure plutôt qu'à une autre. Aujourd'hui, c'est pareil. Je m'en vais tout de suite, mais mon rendez-vous avec le sous-ministre, c'est juste à 3h après-midi. Comme ça, ben, j'ai tout mon temps. Puis sans route, ben, au lieu de faire les vitesses, je peux penser tranquillement à mes affaires. Penser à ce que je veux dire, à ce que je veux demander. C'est important d'être calme, t'sais. C'est un gros avantage. T'as donc raison. Oh, mon doux! J'ai oublié de mettre le sirop d'érable au frais. Oh, il est assez bon, le sirop d'érable à papa cette année, là. T'aurais dû venir à la partie de sucre hier. Tout le monde était là, tout de suite qui respirait. C'était une occasion de reprendre avec la famille. T'aurais pu le faire, Laurent. Par amour pour moi. Ah, je suis pas prête. J'aurais fait de la baboune, ça, j'aime pas ça. Mais de toute façon, à cette heure, tu le sais que t'aurais pas pu continuer ton projet. Même si papa avait pas été contre toi, tout a démarré dans le même temps. Le projet de loi qui est passé en première lecture, puis en deuxième lecture au gouvernement, puis le gel des terres. Alors, à quoi bon continuer la chicane? Ah, laisse ça. L'idée de me retrouver en face de ton père, ça me tente pas. C'est tout. Peut-être à un moment donné, mais là, il m'a trop fait enrager. À propos, j'ai payé tes taxes sur ton terrain de Mme Cadieux. Ah bon? Ben alors, si tu payes mes taxes, mon terrain, il sera plus tout à fait à moi. Grand bébé. Disons que je t'ai fait ça comme un cadeau de fête. Après tout, c'est ton anniversaire dans un mois. Oh, mais de cette façon-là, c'est bien correct. C'est un gros cadeau. Je te remercie. Tu sais, ça me revient encore moins cher que de te payer un manteau de vison comme celui que la femme de ton frère Georges portait au jour de l'an. J'étais pas mal dur avec toi il y a quelque temps. J'étais remords aussi au sujet de notre bébé. Peux-tu me pardonner? Bien sûr, mon Laurent. J'attendais ça depuis pas mal longtemps. Mais je te connais assez pour savoir que ça viendrait. Puis tu sais, pour notre petit gars, on va laisser venir le printemps, puis l'été, puis la chaleur. Puis après, on va se reprendre. Ça fait qu'au mois d'avril l'année prochaine, à peu près c'est ainsi, on va attendre du nouveau. Un petit bébé d'avril, ça pousse tout seul.
s'installer comme il faut. Hey, on s'habitue vite à être gâtés. Si on m'avait dit que je m'installerais chez vous le soir où j'ai ramassé Jean-François derrière ma porte, j'aurais trouvé ça bien drôle. C'est ça. Vous voyez, en ouvrant une porte à Jean-François, ça vous en a ouvert une autre. Moi, tout ce que je veux, c'est de prendre soin de vous pour que vous ayez un beau gros bébé. J'aime tellement les enfants. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, les enfants. Moi, j'ai eu les miens, puis maintenant, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de m'occuper de mes petits enfants. Bon, ben, je pense que vous allez être correct comme ça, hein? Je vais laisser la porte ouverte pour que vous ayez de la compagnie, pour que vous vous sentiez avec nous autres. Oh, bien sûr. Mais quand je pense que je suis dans votre chambre, là, vraiment, c'est de l'abus. Oh, non! C'était bien plus facile comme ça. En haut, il faut monter puis descendre les escaliers. Il aurait fallu que les hommes vous prennent dans leurs bras. Et puis, en haut aussi, il y a des toilettes, mais pas une vraie salle de bain. Donc, je pense que c'était la meilleure solution. De toute façon, mon mari puis moi, on n'en fait pas de cas. Hein. Surtout que ce ne sera pas pour très longtemps. Je t'avoue pas de soucis, hein? Autrement, votre séjour ici ne fera pas autant de bien qu'il devrait. Merci, Madame Jacquemin. Merci de tout mon cœur. Ça rassure tellement Marc que je sois avec vous. Correct, ma petite fille. Ça nous fait plaisir de rendre service à du jeune monde comme vous autres. Merci. V'là un verte qui reprend son bobo. Oh non! Ça allait tellement bien depuis 2 mois. Elle était quasiment toute guérie. Ah, je sais bien. Mais ça fait quelque temps que je remarque qu'elle a le trillon enflé puis tout rouge. Ah ben c'est sûr qu'elle fait de l'infection. Ah, crains pas. Je vais y faire le traitement que Joseph a prescrit. Ah oui, j'aimerais autant ça que ce soit toi. T'es douce, t'as le tour. Et des fois avec moi, elle s'impatiente. Elle a dû se frapper cet automne. Pour ça qu'elle a cette blessure-là. Tiens, tiens, tiens. C'est de valeur, hein? C'est notre plus belle vache, ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle a le pied accroché bien bas. Viens par là. Tiens, envoie-moi dedans, là. Bon. Ah, c'est bien ça qui a dû se passer. Elle a dû l'accrocher Sainte-Pierre plate avant la traite. Mais je t'ai dit que j'ai de la misère pour la traire. Oh, j'ai fini, là. Je m'en vais aller me laver les mains. Hé! Hé! Et puis, je vais venir la soigner. Ici. Ah, OK. Ici. Mais disons, ça fait un bout de temps là, que t'es ici. J'espère que... Ah, on ne pense pas que tu l'abandonnes. Mais non, je vais faire des petites saucettes de temps en temps. Ah, oui. Oh, c'est une vraie petite soie, hein? Elle est douce, toujours de bonne humeur. C'est qu'on a de l'ouvrage. Oui. De toute façon, elle s'est portée beaucoup de magazines puis de livres. Elle aime tellement ça, lire. Oui, bien, j'ai remarqué ça, sais-tu. Elle n'a pas grand place pour poser ses livres à côté du lit. Alors, je vais aller... Je vais aller chercher la vieille table à ma mère, là, que j'ai mise dans le haut de la grange. Ça va être bien plus pratique. Bonne idée. Hein? Hey, devrais-tu faire du levain? Mais non. On est lundi, heureusement. Demain, on fait pas de pain, on cuit pas. C'est bien drôle, vraiment. Je suis mêlée. Mais faudrait peut-être y voir pour demain, par exemple. Parce que je sais pas à quelle heure Laurent va rentrer. Il va prendre la route seulement après avoir vu le nouveau boulanger. Oh, hey, c'est-tu de valeur? Pour une fois, tu vas avoir un célibataire d'un parage qui va être trop jeune pour moi. Ben, j'ai l'impression que c'est un homme à peu près de ton âge, le nouveau boulanger. Ben, voyons. Il semblait que Laurent m'avait dit qu'il était plus jeune. Bon, mais à vos âges, on voit plus tellement de différence. Mais tu sais, faites-toi pas d'illusions, hein. C'est pas un prince charmant. Peut-être bien. Quand même mieux que rien, hein? Mais c'est bien bête que j'aille pas été là quand tu es venu voir ton mari. Hey, Bert, y a-t-il l'air plus jeune que moi? Écoute, Tante Matou, moi, à ta place, là,
J'arrêterai de rêver, hein? On dirait que ce gars-là, c'est quasiment ta dernière chance. Dans ces conditions-là, c'est sûr que tu auras l'air fou quand vous allez vous rencontrer. T'as toujours bien pas envie de te jeter à sa tête. Ben oui, non, rien de fun. C'est le meilleur moyen. En t'énervant comme ça, là, d'aboutir à une déception. Un homme, là, on n'attrape pas ça au lasso comme un cheval sauvage d'un vu. C'est bien délicat. En général, si on se garoche trop, là, ils ont peur en partant, puis après ça, ils veulent plus rien entendre. Oh, je le sais bien. C'est plus fort que moi. C'est vrai que je fais passer un chasseur dans le bois à l'automne. Mais je pense que je ferais n'importe quoi pour mourir vieille fille. Ben, il vaut mieux mourir vieille fille que mourir malheureuse ou d'être accrochée à une brute ben ivrogne. Ouais. Je te conseille d'être bien sur tes gardes quand tu vas le voir arriver. Je le promets. Moi, ce que je dis, là, c'est pour toi, hein. C'est pour pas que t'aies une grande peine pour rien. Je le sais bien. Puis crains rien, ma pauvre fille. J'ai l'air partie pour la gloire comme ça, mais tu le sais aussi bien que moi que quand il y a un homme dans la place, je suis toute complexée puis j'ai l'air plus bête que je le suis pour vrai. Mais je comprends pas qu'une fille de ton âge puisse raisonner aussi bien que ça tout le temps. Ah, tu dois tenir ça de ta mère, toi. Jeanne a toujours été la plus intelligente de la famille. Chère tante Marthe, en tout cas, toi, là, on peut pas dire que tu prends pour une autre, hein? Là, fini. Ouais. Mais tu sais, je te remercie bien de ton compliment, mais moi, là, des fois, je trouve que je parle bien trop. Vous arrêtez donc jamais de travailler, Madame Jacquemin? Mm-mm. Je me repose près de vous. En reprisant? Ben oui. Repriser, c'est pas du travail, ça. C'est ce que vous pensez. Puis tout est en ordre dans la maison. Ça sent bon dans la maison. Ça sent le bon manger. J'ai fait une bonne petite soupe pour ce soir. Mmh. Hein? Puis l'appétit vous revient, hein, puisque vous trouvez que ça sent bon dans la maison. C'est vrai. J'ai jamais mangé autant que ce midi. Mais je vous dis que vous faites des gros repas le midi, vous autres? Ah oui, mais sur une ferme, ça remue beaucoup, hein? Mmh. On sort beaucoup aussi, même l'hiver. Puis les hommes travaillent, il faut nettoyer, ranger, s'occuper des cochons. Toujours une truie qui cochonne. Puis toutes sortes d'ouvrages, hein? Tout ça, c'est en marche, puis ça fait un va-et-vient, puis ça donne faim. Ben justement, ça vous fait faire 3 repas par jour. Puis des vrais repas, à part ça. Quand on y pense, c'est du travail. En ville, le matin, c'est tellement vite fait. Juste prendre un café, puis des toasts. Puis le midi, ben des sandwichs ou du fromage, puis des fruits. Il n'y a rien que le soir qu'on fait un peu à manger quand on revient de la journée de travail. Mmh. Ici, c'est tellement différent. Depuis ce matin, je vous ai vu travailler sans quasiment jamais arrêter. C'est quand je vous ai vu partir avec quelque chose pour soigner la vache. Oh, je vous dis que c'est moi qui aurais eu peur. Oh, mais il n'y a pas de soin. La verte est bien douce. Vous l'appelez la verte? Oui. Parce que figure-toi que la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée ici, c'est qu'elle est allée se coller dans la peinture verte de la balançoire. C'est drôle. En tout cas, vous devez avoir une bonne santé pour faire tant de choses. Oh, pour ça, je suis bien chanceuse. Hein? Je suis jamais malade, moi. Oh. Des fois, j'ai un petit rhume dans l'année. Non, je dors bien. Je mange bien. Regarde. Ma ligne n'est pas très à la mode. Vous êtes tellement belle. Oh! C'est-tu fait de faire dire une affaire de main? C'est vrai. Vous êtes comme l'image la plus belle qu'on puisse faire d'une femme. Oh. Vous souriez tout le temps. Vous avez des yeux qui ont l'air d'aimer tout le monde. C'est vrai que j'aime le monde. Mais tu sais, des fois, pour sourire, là, c'est une petite tricherie. Ça devient comme une habitude, et puis il y a des fois que je souris, mais dans le fond de mon cœur, c'est pas bien brillant.
Tu vois que il faut jamais décourager les autres. Ah ben, je viens de te dire tu comme si tu faisais partie de la famille. Oh, ben continuez, ça me fait tellement plaisir. Ça doit être merveilleux d'avoir une mère comme vous. Quand je regarde Annick, je trouve qu'elle a le même charme que vous. Ta mère est morte? Oui. D'un cancer de l'utérus. J'avais 14 ans. Je suis l'aînée de 6 enfants, alors c'est moi qui ai tenu la maison pendant à peu près 6 ans. Jusqu'à ce que je rencontre Marc. On s'est fréquenté pas mal longtemps. Là, j'ai pris des cours du soir pour finir mes études, me spécialiser. Les enfants étaient plus grands. Je pouvais étudier davantage. Et puis mon père est anglais. Il parle couramment les deux langues. Alors nous, ça nous donnait plus de facilité pour apprendre l'anglais. On est quasiment tous bilingues. Mais pour moi, c'est un peu comme une seconde nature de parler anglais. C'est pour ça que je fais de la traduction. Ton père, il vit toujours? Oh oui, il est marié. Depuis 4 ans. Deux de mes soeurs sont mariées, puis un de mes frères aussi. Les deux autres sont à Montréal. Puis ils vivotent plus ou moins bien. Papa avait pas beaucoup d'autorité sur eux, alors ils n'ont pas fini leurs études. Hein. Puis, la vie est dure en ville. Tu sais, c'est un petit peu dur partout. Hein. Même ici. Prends Martin, par exemple. Oh, je te jure que c'est pas bien, bien brillant. Hein. Oh, bien sûr, depuis 2 mois, il travaille comme camionneur dans une cimenterie, mais... Des fois, je me dis qu'il est paresseux. Tu vois, pour lui, conduire un camion, ben, ça le satisfait. Et ça déçoit bien gros son père. Tu comprends? Depuis 2 mois qu'il travaille, il a un salaire, et puis il s'est envenu vivre ici, mais lui et son père, ils s'entendent pas très bien. Antoine, lui, il voudrait son fils travaille sur une chose, et puis Martin, lui, il aime pas ça. Il aime mieux s'amuser. Profiter de tout le monde. Tu vois que je réussis pas tout dans ma vie. Là, mon Martin, je pense que je l'ai trop couvé. Trop choyé. Tu comprends, quand il est venu au monde, ben, on n'avait plus d'argent, j'avais plus de temps. Tout était plus facile. J'ai toujours regretté d'être la plus vieille, puis d'avoir toujours tous les soucis, mais c'est vrai que d'être les derniers, c'est pas plus facile. Mm. Chez nous, ça a été pareil. Yvon avait 4 ans quand maman est morte, puis on a voulu le ménager, lui faire oublier la mort de maman. Mais c'est lui qui nous a donné le plus d'ennuis. Aujourd'hui, il a 16 ans, puis travaille dans une usine de boutons avec un salaire de misère. Anne? Oui? Oui, Antoine, je suis ici avec Anne. Hein? Ça va, Anne? Ça peut pas aller mieux, monsieur Jacquemin. Ben, tant mieux. Dis donc, j'ai cherché la petite table dans le haut de la grange. Il n'y a plus rien là. Mais comment il n'y a rien là? C'est là qu'on met nos surplus de meubles. Ah, je sais bien. Il y a des tables, des petites chaises, un lit pliant, des tas de bebelles. T'es quand même pas disparu par l'opération du Saint-Esprit. Ah. Jean-François m'a bien dit qu'il avait touché à rien depuis qu'on a fait le ménage là-dedans l'automne passé. Mais tu sais rien, toi? Ah, ben viens voir toi-même. Je t'ai dit que c'est vide, complètement vide. Ah! Oh. Bonjour, papa! Allô? Bonjour, ça va? Ah, oh, ben tu parles d'une belle surprise. Qu'est-ce qui vous amène dans le bout sans prévenir cet après-midi? Ben oui. Mon beau-père, on vient d'acheter une maison par chez vous. Mm-hmm. Non. Oui? Mon père, vous avez acheté une maison à Sainte-Marie-des-Anges. Oui. Ben ça, c'est une vraie nouvelle. Ben oui, on a acheté la maison des beaux séjours. C'est en plein ce qu'il nous fallait et on a eu une chance extraordinaire. Oui. Parce que vous savez, c'était pressé à cause d'abeilles. Il faut que je sorte les Russes dans une semaine au plus tard. Oui. Alors, qui est là? Allô, vous autres? Bonjour. Hey, il me semblait que j'avais vu votre voiture en sortant de la porcherie. Et puis,
Qu'est-ce que vous faites dans notre bourg? Ah. Ils viennent d'acheter chez les Beaux Séjours. Oh, pas sérieux. Ouais? Moi, je peux pas m'imaginer que vous allez vivre près de nous autres. C'est trop beau. Hey, défaites-vous, asseyez-vous, je vais aller préparer du café. Ah, non, 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 on va prendre quelque chose de mieux. Hein. Oui. Une nouvelle comme ça, ça serait. Okay. Merci. Figurez-vous donc que la part Saint-Bloch, ils se mettent à construire des maisons juste en arrière de chez nous. Ça fait que pour l'industrie de miel, ce n'est pas trop recommandé. À part ça, j'ai pas tellement grand comme bâtiment, j'ai pensé justement à grandir. Alors, en pensant à tout ça, et en me souvenant que la contrée d'ici est vraiment meilleure pour faire de l'apiculture, j'ai décidé de chercher vers Saint-Marie-des-Anges, Saint-Ambroise, Saint-Marceline. Alors, on a consulté un agent immobilier, et on est venu visiter à deux places, Saint-Esprit et ici. Pour ici, à l'agence immobilière de Joliette, ils nous ont référé à Mme Gadieux. Mm-hmm. Fait qu'on s'est promené 2 heures avec elle, puis on s'est décidé quasiment tout de suite, là, en voyant la maison des Beauséjours. Mm-hmm. La maison est libre, hein, vous vous installez quand vous voulez. Justement, la vieille Mme Beauséjours, après la mort de son mari, est rentrée à la maison de l'âge d'or de Saint-Ambroise. Oh, mais à Saint-Esprit aussi, on a vu quelque chose de beau, hein, Thomas? Mm-hmm. C'est près de la rivière, à part ça. La maison aurait peut-être été plus à mon goût. On s'est dit, ben quand t'as changé, on t'a bien te rapprocher le plus possible de la famille. Puis, oui. Puis pour Thomas, ben il n'y avait plus de commodité ici, vraiment. Oh, oui. C'est vraiment une grande joie pour nous autres. Et puis, pour les écoles, il n'y a pas d'inquiétude. Oh, on y a bien passé aussi. Je suis sûr qu'on a fait une très belle affaire. Mais oui. Et là-bas, à Saint-Roch-le-Chigan, t'auras pas de difficulté à vendre ton bien? Non, il est juste dans le bout du développement domiciliaire. Ouais. Et il y a un contracteur qui ne demandera pas mieux que d'acheter. Oh, puis ici, ça va être plus violent. Il y a 9 appartements dans maison, imagine. Yeah. Pour les enfants, il va y avoir de la place. Et ce qui est aussi à considérer, c'est que je vais garder la plus grosse partie de ma clientèle. Parce que les clients dans le gros, ils commandent autant d'une place que d'une autre. Et j'avais beaucoup d'acheteurs par ici, vous savez. Ah, ça sera pas long. Tu vas te faire une nouvelle clientèle. Ton miel est assez bon. Et toutes les récompenses que tu as reçues d'un grand coup. Hey, vous en viendriez quand? Ah, mais ça, c'est plus compliqué. Ouais. Et moi, je vais m'en venir cette semaine parce qu'il faut que je sorte mes abeilles des caveaux pour les installer tout de suite sur le nouveau terrain. Et pendant ce temps-là, Madeleine va préparer le déménagement et il faut penser un peu aux études des enfants et attendre la fin de l'année scolaire. Ça fait que je viendrai rejoindre mon mari les fins de semaine avec les enfants. On me donner une chance de faire un peu de ménage partout, puis on va rentrer dans une maison ben au point. Mais vous savez ce que j'aimerais, les hommes? C'est que vous veniez avec moi voir ma nouvelle propriété. Ah! Oui. J'aimerais avoir votre avis. On a le temps à la retraite, hein, son père? Ben oui, on y va. Ben, on t'accompagne.